Depuis plus de 1000 jours, une énergie colossale produite par le soleil ravage l'atmosphère de la Terre. Une chaleur implacable brûle sa surface, provoquant d'énormes cataclysmes. Aux calamités naturelles viennent s'ajouter la violence et le chaos. Aujourd'hui, le soleil, qui est la mère de toute vie, entame la phase finale de son scénario catastrophe en menaçant de faire jaillir une gigantesque flamme qui détruira toute créature vivante sur Terre. Bientôt, notre planète ne sera plus qu'un brasier. Au plus profond de l'espace, à 500 000 km de la Terre, sur un astéroïde appelé Nouvelle Trinité, l'homme a créé une bombe antimatière qui représente la plus grande force explosive de l'histoire de l'humanité. Tu as l'air d'aller plutôt bien, Freddy. Non, ça va mal. Il faut réduire les rouleaux de suspension de 2,3%. Réduisez de 2,3%. Opération terminée. C'est mieux, Freddy? Oui, beaucoup mieux. Merci, mon commandant. Merci, pourquoi? Vous m'écoutez toujours et vous me prenez au sérieux. J'ai parfois l'impression que les autres sont fatigués de mes doléances. Moi, ils ne m'écoutent que parce que je suis au-dessus d'eux. Je vous remercie de m'avoir programmé pour analyser. Je connais mon potentiel explosif et je suis très heureux que vous soyez à la tête de notre mission. Au revoir, mon commandant. Rendez-vous dans 38 heures, 13 minutes et 52 secondes. C'est bon, tout baigne. Je te souhaite un excellent voyage et surtout prends bien soin de toi, entendu? Pas de problème, mon commandant, ça je sais faire. Tu peux y aller. Continue. Déroulement normal de l'opération. Aucune anomalie signalée. Chicago, dès que vous l'aurez arrimé dans Cargo Bay, tenez-vous prêt pour le départ. Surtout maniez-le avec douceur. Le vaisseau spatial américain Helios vient d'arriver. Commencera d'ici peu son voyage en direction du soleil. Mettez-le en position. Les gars, je vous avertis tout de suite. Une seule chose m'intéresse, les performances de ce vaisseau. Le reste, je m'en bats les flancs. On va parcourir 148 100 000 km dans une saloperie de vieux coucou qui vient d'être modifiée et qu'on n'a pas eu le temps de tester. J'ai été nommé sur ce vaisseau depuis que le commandement l'a affecté au service d'urgence et je peux vous assurer qu'il répondra à notre attente. Ça, c'est fantastique. Le directeur du projet m'assure que tout se passera. Capitaine Borg, je suis un biogène. Je connais Helios comme je connais mon corps. Et on est des spécialistes. Si cette mission était impossible, on ne serait pas ici. Vu les difficultés, on doit être sûr à 100% du vaisseau pour avoir la moindre chance de réussir. La moindre chance de donner à cette vieille terre 10 000 ans à vivre. Très bien, Alex, on peut y aller. À vos ordres, capitaine. Lieutenant Mix. C'est Bobby. Quoi? Mes amis m'ont toujours appelé Bobby. Pour l'amour de Dieu, ça... Mais arrête de faire le beau. C'est quand vous voulez, les moteurs sont sous pression. Capitaine, si tu permets... Les accéléromètres indiquent que les convertisseurs opèrent à saturation dynamique maxi. McBride. Oui, le Big Bang a quitté la Nouvelle Trinité à bord du vaisseau Chicago. Le Big Bang? C'est la bombe antimatière. Notre rendez-vous avec le Chicago devrait avoir lieu dans exactement
33 h 09. Les systèmes de navigation sont tous bloqués. J'ai vérifié, tout est paré, capitaine. Nous partirons à 6 h pile. Très bien. Les coordonnées de navigation sont programmées et l'état-major a donné son accord. Si la mission échoue, c'est la fin pour tous. Mon capitaine? Oui, docteur Minami. Comme vous le savez, j'ai aidé à faire les plans de la sonde RA. Et je connais bien ses limites. Quand la charge explosive sera installée dedans, et que l'Hélios sera en position de lancer le RA, ce dernier aura besoin d'un pilote pour le guider vers l'objectif, et je suis le plus qualifié pour ça. Écoutez, Minami, je n'ai pas autorité pour prendre une telle décision. Je suis ici pour m'occuper du matériel. Votre demande devra être examinée par le commandant de la mission. C'est entendu. Je parlerai au commandant Kelso. Tu sais que notre objectif est dans la région 17. Minami, ça veut dire 15 millions de saloperies de degrés. Repentez-vous de vos péchés, mes frères. Vous trouverez le salut. Armageddon est ici parmi nous. Repentez-vous. Armageddon est parmi nous. Mes frères, cherchez votre salut. Claire, regardez les choses en face et interrogez donc votre conscience. Mes décisions ne regardent que moi. Quant à vous, vous êtes peut-être bon en météorologie, mais nul en psychologie. On ne s'attaque pas à quelqu'un comme Tig. Vous serez responsable de la souffrance et de la mort de milliers d'hommes sur cette planète. Je le prends comme un compliment. Qui peut se vanter d'avoir autant d'influence? Mais je vous avertis, monsieur Haas, ne secouez pas trop les branches de l'arbre. Dites à monsieur Tig que l'arbre est déjà mort. Venez faire l'expérience magique de notre son télépsychique. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Laissez-vous tenter, vous en garderez un souvenir inoubliable. Selon la théorie dominante scientifique, contestée d'ailleurs... Si le chaos continue, IXL devra prendre de sérieuses mesures économiques. Nous devons contrôler tout ce qui concerne la nourriture et les carburants sur la Terre. Et nous n'avons pas devant nous des semaines et des semaines. Et si le soleil détruit la Terre, comme certains le prédisent, tout cela n'a aucune importance. Tig est persuadé que cette théorie est le fruit de l'imagination de quelques-uns. La force émanant du soleil va, selon lui, décroître et la vie continuer comme avant. Mais en attendant, le conseil d'administration d'IXN aura su construire le plus grand empire financier et le plus puissant que le monde ait jamais connu. Pendant que la population entière du globe tremble de peur, nous, à IXL, nous prenons le contrôle. Je vous propose maintenant d'aller à Skytown, d'où le vaisseau spatial Helios devrait partir dans quelques... Vous pouvez fumer avec cette chaleur. À bord, 16 hommes et femmes que nous pouvons admirer au courage vont commencer leur voyage vers Los Angeles. Tout au long de cette merveilleuse mission, nos prières les accompagnent. Asseyez-vous, je vous prie. Je ne suis pas empereur. Mais croyez-moi, j'espère bien l'être un jour. Monsieur Haas, quel est votre pronostic? Je suis impatient de le connaître. La vidéo, s'il vous plaît. Récemment, un consortium de scientifiques dirigé par messieurs Griffin et Page a déterminé que la menace que représente le Soleil n'est pas imaginaire, mais réelle. Une gigantesque flamme en entrant dans l'atmosphère va détruire toute forme de vie. Je leur ai dit qu'ils devaient se tromper. Mais je me suis rendu compte que c'était eux qui avaient raison. J'ai découvert que mon équipe et moi-même avions mal calculé. La destruction de toute vie sur Terre est imminente. Il est absolument impératif d'apporter notre soutien à l'expédition Helios. La bombe antimatière qu'il transporte est notre seule planche de salut. Elle a été mise au point pour dévier la trajectoire de la flamme gigantesque. Cette bataille contre le soleil doit se livrer dans moins de 48 heures. Monsieur Haas, êtes-vous intimement convaincu que cette abominable catastrophe aura lieu? Je n'en ai pas le moindre doute. Il me semble pourtant que les taches solaires sont en train de fusionner. Si vous regardez les lignes de Fraunhofer... Est-ce votre conclusion de spécialiste? Je n'ai jamais prétendu être une spécialiste, mais je peux... C'est bien ça, Madame Bisson. Vous n'êtes pas une spécialiste. Madame Bisson n'est pas d'accord avec mes calculs, ainsi qu'une minorité toujours décroissante de scientifiques. Mais le fait est qu'ils ont tort et que j'ai raison. Et si jamais c'était vous
qui aviez tort. Bien. IXL investit dans le futur. Un futur optimiste. Et je refuse de croire qu'une flamme gigantesque ou je ne sais quoi d'autre puisse l'anéantir. Je ne vois pas les choses ainsi. Je les vois plutôt sous forme de statu quo. Je tiens à dire que le conseil d'administration les voit de la même façon que vous. Messieurs, je vous remercie. Monsieur Haas, désolé de vous quitter, mais j'ai un programme chargé. Appelez-moi s'il y a du nouveau. Il faut faire capoter cette expédition ERA. Monsieur Teague, je m'en occupe personnellement. Vos ordres seront exécutés. Dis donc, il y a des vents qui soufflent à 200 nœuds. Où ça a pris? Il y a tellement d'interférences électromagnétiques que j'arrive pas à passer les communications. T'as essayé les récepteurs optiques? Ça pourrait être pas mal, mais je vais passer un temps abominable à décoder. La navette de la nouvelle Trinité est arrivée. Kelso est à bord? Ouais. S'occupe des finances aussi? En tant que commandant du vaisseau, il fait ce qu'il veut avec. Ça fait plusieurs années que je l'ai pas vu. On a pris quelques bonnes bitures ensemble. On était même d'excellents amis. Des amis? Oui, on s'est engagés en même temps. On a fait quelques missions et un jour, sa femme est morte. Alors il a changé. Fini la rigolade. Ouais, tout a une fin dans cet univers. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'entre deux, c'était une vraie compétition. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont perdus de vue. Mais c'est pas un problème, ça. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui dise « Alors, mon pote, t'es content de me revoir ?» Alors, c'était comment? C'était bien. Bien? Et si je te sers plus fort? Ils se sentiront certainement très proches l'un de l'autre. Bobby, je crois qu'elle voit ce que tu veux dire. Ouais. Excuse-moi. Alex, durant cette mission, la bouée de sauvetage de chacun, c'est les autres. On a tous des besoins. Mais ne t'inquiète pas, on prendra soin de toi. Arrivée des passagers, niveau B. Commandant Kelso. Uh-huh. Bonjour, je suis Alex Knopp. Oh, ravi de faire votre connaissance. Mon prénom est Steve. Bonjour. Bonjour. Je pensais que c'était bien de se présenter vu qu'on va travailler ensemble. Oh. Oui, oh, Alex Knopf. Bien sûr, j'y suis maintenant. Le commandement m'a envoyé votre rapport d'urgence. Vous avez fait du bon travail. Merci, commandant. J'ai fait tester et j'ai vérifié personnellement tous les systèmes. Mon rôle est de m'occuper de tout l'équipage au niveau physique et psychologique. Psychologique? Une étude psychologique du personnel s'avérera bénéfique dans les moments très difficiles. Alex, ça n'a aucun sens. Je ne vois pas ce que j'ai dit d'absurde. Et c'est simplement non réaliste. Je croyais qu'au contraire, ça l'était. Disons que les mots ont dépassé ma pensée. Je veux bien le croire. Pour votre information, le capitaine Borg a demandé une séquence de navigation de 1600 heures. Vous avez des questions? Non. Non? Bienvenue à bord, commandant. Je suis à vos ordres, mon général. Pas de ça entre nous. Tu as l'air désœuvré, mon garçon. Ça t'arrive de travailler? Eh bien, j'ai passé les 3 derniers mois à la Nouvelle Trinité à m'occuper d'une bombe antimatière suffisamment puissante pour détruire la Terre. C'est pas moi qui t'ai demandé de le faire, j'étais pas d'accord. Pourquoi faut-il que tu t'énerves? Tu étais volontaire, volontaire. De même que tu es volontaire pour cette stupide mission suicide vers le Soleil. Ce n'est pas une mission suicide, encore moins stupide. Ton problème, c'est que tu veux convaincre tout le monde que tu n'es pas protégé par ton vieux père, alors tu fais n'importe quoi. C'est vrai, écoute, tu reviendras déjà pas de là-haut, tu sais ça. Tu crois pas que c'est suffisant? Qu'est-ce que je vais dire à ton fils? Hein, qu'est-ce que je vais lui raconter à ton fils? Je voulais le faire monter ici, mais... Je n'arrivais pas à le joindre. On vient de me dire qu'il s'est enfui de cette académie militaire stupide dans laquelle tu l'as inscrit contre mon gré et contre le sien, probablement. Attends un peu.
Comment va-t-il? Il est pas malade, au moins? Personne ne sait où il est. Il s'est enfui, je t'ai dit. Et c'est pas la peine de lui en vouloir, parce que j'aurais probablement fait la même chose. J'ai pensé prendre le petit vaisseau de secours et descendre le chercher sur Terre. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je fais ce que bon me semble. Je suis le plus gradé. Je ferai bien de rejoindre l'équipe, je suis en retard. Attends, nom d'une pipe! Dis-moi que tu m'aimes avant de quitter cette pièce. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Le scénario catastrophe annoncé est sur le point de se produire. Vous savez tous ce que ça veut dire pour les habitants de la Terre. Si la monstrueuse flamme issue du Soleil devait atteindre l'orbite de Mercure, la surface de la Terre prendrait alors l'apparence du verre. Nombre de morts prévus, 50%. Si cette flamme devait atteindre l'orbite de Vénus, la surface de la Terre deviendrait du magma. Nombre de morts prévus, 90%. J'ai bien dit 90% d'êtres humains. Et si jamais cette monstrueuse flamme devait atteindre la Terre, ce serait la destruction totale. Alex? Ces tubes magnétiques sont comme des élastiques. Quand ils sont trop tendus, ils claquent, provoquant une flamme. Et ce tube-là, comme vous le voyez, est gigantesque et beaucoup plus serré qu'il ne l'était auparavant. Et s'il claque? Ça, c'est la région dans laquelle nous pénétrerons, c'est la région 17. Et c'est là que nous déclencherons prématurément la flamme sur ce côté du Soleil. L'Hélios et le Hera sont tous deux protégés de la chaleur du Soleil par des barrières électromagnétiques utilisant les rouleaux conducteurs. Il va faire bigrement chaud. Mais le vaisseau ne brûlera pas. Les barrières fonctionneront, c'est sûr. Comme vous le savez, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. À l'origine, l'Hélios était censé rejoindre la base spatiale. Là, on aurait chargé la bombe antimatière dans la sonde Hera. Puis on serait parti vers le Soleil. En orbite, on aurait déclenché la flamme, là, dans la région 17. Et on serait rentré à la maison. Trop beau pour être vrai. Pour gagner du temps, c'est le vaisseau spatial Chicago qui transportera notre bombe. Il nous retrouvera en route, nous aurons rendez-vous avec le Chicago ici. Puis direction le Soleil. Avec 5 tonnes d'antimatière à bord, un miracle. Maintenant, les mauvaises nouvelles. Comme on n'a pas encore fini de tester le système de guidage du Hera, et qu'on ne connaît pas les effets de l'interférence électromagnétique, on ne peut pas se permettre de l'envoyer vers le Soleil sans la présence d'un être humain à bord. Lorsqu'on a construit le Hera, on y a inclus un siège de pilote en espérant n'avoir jamais à s'en servir. Mais on ne peut pas prendre le risque de voir l'ordinateur se tromper ou avoir une panne. Il faudra donc que l'un de nous pilote le Hera. Bien, on démarre la procédure pour le chargement maintenant. Bonne chance. Ah.
Importante des températures sur l'ensemble du globe et plus particulièrement dans l'hémisphère sud. Aucune baisse n'est prévue pour l'instant. Selon les autorités, la situation est extrêmement préoccupante. Scientifique, selon les uns, la catastrophe annoncée est imminente. Selon les autres, tout ceci n'est que de pure fantaisie. Ce qui est sûr, c'est que du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Terre aurait encore de longues années devant elle et la chaleur excessive de ces derniers mois ne devrait pas... L'Hélios, transportant le pénétrateur solaire RA, quittera Skyton aujourd'hui pour retrouver très rapidement le Chicago et récupérer la bombe antimatière avant d'aborder la phase finale. La mission Hélios. Il faudra sans doute des années au marché financier mondial pour se rétablir. La situation économique de l'ensemble du globe étant... Les scientifiques lancent un cri d'alarme aux autorités et à la population. Les dommages causés par la chaleur excessive pourraient être irréparables. Malgré la chaleur, l'équipe de Denver montre un dynamisme époustouflant. Cette deuxième mi-temps se déroule... T'aimes le baseball. Qui va gagner? Qui va gagner quoi, monsieur? Au baseball. Les Dodgers. Excusez-moi, monsieur, j'ai la gorge qui me brûle. Tu te fous de moi, petit? Ça y est, les Giants sont marqués. Je le savais. Je savais qu'ils gagneraient. Je le savais. Je m'appelle Mike Kelso, monsieur. Les Giants sont fous de joie. C'est la première victoire de la saison à deux. T'entends ce qu'ils disent? Ils parlent tous à la fois, monsieur. J'ai toutes les stations que je veux ici. Il suffit de choisir celle que j'aime et de pas écouter le reste. C'est pas une... Merde! Attendez! Où est-ce que vous allez? Monsieur, où allez-vous? C'est à moi de te demander ça. Je vais là-haut. Mais là-haut, c'est une vraie fournaise. Mon père et mon grand-père sont à Skytown. Il faut que j'aille à Redsen pour prendre la navette de nuit. Mais enfin... C'est important, je vous en prie, écoutez-moi. J'ai peu de temps devant moi, monsieur. C'est mon père qui commande cette mission vers le soleil. Il faut que vous compreniez que c'est probablement la dernière chance que j'ai de le voir à nouveau. Je me suis échappé de Bennington et ils sont à ma recherche à l'heure qu'il est. Je sais pas si vous savez, mais ils sont très durs sur la discipline. Et si j'attrape pas cette navette spatiale, j'aurai avec eux de très sérieux problèmes. Vous m'entendez? Je vous en prie, emmenez-moi à Redsen, monsieur. Vous m'avez demandé une liste de ceux qui peuvent piloter le R1. Est-ce que votre nom est sur cette liste? Oui, il y en a 5 en tout, dont le vôtre. Je ferai mieux de rejoindre mon poste. Réducteur à fond pour la manœuvre. L'approche semble bonne, continuez. 30 mètres. Le système d'arrimage passe du contrôle de Skytown au contrôle d'Hélios, à mon signal. Allez-y. Tous les paramètres sont bons. Le code d'arrimage de Hélios est vert. On passera sur l'énergie extérieure à la fin de la manœuvre. 15 mètres. Préparez-vous à passer sur l'énergie extérieure. Bien compris. Ralentissez, passez à 78. Compris. Centrage est bon. Ça s'annonce bien. Excellente position. On
On a l'impression d'assister à une nuit de noces. On a un problème ici. Mais qu'est-ce que vous faites ? Commencez la manœuvre. J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe ? Rupture du conduit de carburant. Il me faut un rapport sur les dégâts. Bien reçu. Quelque chose est bloqué dans le système 3. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ça ne vient pas d'ici, Mix. On perd de la pression. Il faut trouver un autre système. Ça ne sert à rien, c'est interne. Le seul moyen, c'est de l'ouvrir. On n'y arrive pas, alors. C'est fini pour la mission. Et c'est fini pour la Terre. Lama a augmenté l'amplification. Ça y est, on l'a localisé. Essayez maintenant. Ça a l'air bon. Je confirme que les connecteurs fonctionnent. Les pattes d'arrimage sont ouvertes. Terminé. C'est bon, ce coup-ci. Passez RA sur l'énergie extérieure. Ça a marché. À la perfection. Ça se présente bien. Ralentissez le mouvement vers l'avant de 20%. C'est fait, 20% de moins. Stabilisateur d'inertie en automatique. L'équipe de maintenance DXL est demandée au contrôle niveau B immédiatement. La procédure de vérification du système de lancement est au point zéro. Mon commandant. Ici Kelso, qui est-il ? Votre père a demandé une autorisation au vol. Il va se présenter à la porte numéro 5. Nous avons cru bon vous avertir. Attention, départ imminent, porte 5. Préparez-vous pour la manœuvre de fermeture et de dépressurisation. Veuillez dégager l'air d'arrimage. Attention, départ imminent. Équipe numéro 5. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Tu es malade ? Je vais à la recherche de ton fils puisque toi tu t'en moques. Il y a déjà tout un contingent qui est parti le chercher. Personne ne m'empêchera de retrouver mon petit-fils. Tu es fou, reviens ici immédiatement. Il ferait mieux de penser un peu plus à ton fils, de lui accorder un peu de temps. J'arrête pas de penser à Mike. Si je fais cette mission, c'est pour préserver son avenir. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, j'ai une certaine pression sur les épaules. Évidemment, t'as rien remarqué, hein ? Mais commandant... Comment un père peut dire une chose pareille de son fils ? Vers le ciel, sans mon cœur qui se lève, et je me dis, Dieu que la vie est belle. Je suis pas vraiment un casse-cou, mais c'est mieux qu'un coup de briseau. Je peux toucher les monsieur. Étoiles là-haut, je suis léger comme une voile. Non, monsieur, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour votre aide. Quand je regarde d'en haut, je vois la terre et l'eau. Monsieur, ce serait... Monsieur, si vous me disiez votre nom, ça serait plus simple. Oui. Et je sais qu'il ne peut pas me descendre. Si je pourrais être libre et léger comme le vent, partirais sans vous violez la loi, dégagez la route. Vous violez la loi, dégagez la route. Vous avez une rustine ? Oui, j'ai une rustine. Mais j'ai rien pour remettre de l'air. Putain de merde ! Hé, monsieur ! Il y a quelqu'un qui vient par ici. C'est un camion. Violez la loi. Dégagez la route. Vous violez la loi. Dégagez la route. Les saloperies d'engins, il n'y a rien qui peut les arrêter. À moins qu'on leur foute un truc devant le museau. Alors là, peut-être, je crois bien qu'ils sont programmés pour s'arrêter. Hé, regarde, regarde. On y
violez la loi, dégagez la route. Vous violez la loi, dégagez la route. Vous violez la loi, dégagez la route. C'est pas vrai! Je suis désolé pour votre moto. Peut-être qu'ils s'arrêtent juste pour les êtres vivants. Ça, je veux pas le savoir. Et ces véhicules, ils vont du point A au point B et c'est tout ce qu'ils savent faire. En voilà un autre, ça va défiler. Hey, monsieur, arrêtez! Hey, vous êtes fous! Arrêtez! Vous pouvez pas faire ça! Monsieur! Hey, je vous en prie, il va vous écraser, vous pouvez pas faire ça! Vous violez la loi! Non, poussez-vous! Poussez-vous! Vous violez la loi, dégagez la route. Vous violez la loi, dégagez la route. Allons-y, puissant. Vous violez la loi, dégagez la route. Allez, gratte, vite! Ma naissance, mais on est tous créés d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour dire, ma chérie, mais je crois que t'en as moins avec nous. Et tu sais dans quel coin tu as été créée ? Dans un laboratoire, à Oxford, en Angleterre. Ta mère ? Inconnue. Et celui qui a fourni la petite graine ? Tu sais, le beau mâle ? Désolée, inconnue aussi. C'est dans une éprouvette que j'ai été fécondée. C'est parti, les enfants. Nous n'allons pas tarder à voler dans les entrailles d'Abraham. La galaxie veut dire paradis pour vous ? À ce point-là ? Oui, ma maman m'a dit, le paradis nourrit les étoiles, vous saviez pas? Non. Quand on est près d'elle, c'est extraordinaire. Il n'y a plus ni temps ni âge qui existe, on se sent éternel. Le seul problème, c'est que pendant que le capitaine va taquiner les portes du paradis, le reste de l'équipage vole vers l'enfer. Alex North, humain créé biogénétiquement, par le laboratoire biogène d'Oxford en Angleterre. Spécialisation, la nutrition. Élevé et entraîné pour améliorer les capacités physiques et mentales. Statut, prototype expérimental. Thank you.
temps de leur envoyer une aide médicale. Des millions de dollars ont été versés par des entreprises et de nombreux particuliers. Le nombre de morts est impressionnant. Des centaines... Le bureau de Monsieur Tigg. Claire, si vous saviez la vue que j'ai d'ici... Voulez-vous noter les coordonnées ? 4, 5, 12. 9, 12, 1 et 8. Nexus. Biogène devient maintenant Dalila. Dites à Monsieur Tigg qu'il peut jouer d'elle comme d'un piano. Quel dommage, Dalila. Je suis le seul à pouvoir te libérer maintenant. Commencez le RCS et donnez-moi les paramètres. Eh bien, tout de suite. 3, 9, 8, 5. Chicago, revenez à la porte. 13C4D15A. Gardez cette séquence dans cet ordre. Le point de rendez-vous, vecteur 05,007. Tu as combien, Christine ? 26C93. Tout est normal jusqu'ici. Helios, la manœuvre commence. Demandez l'autorisation de dégager. Continuez, c'est bien. Les panneaux de navigation ont été calibrés. Nous avons le feu vert. Les moteurs sont en pression. Les amorces sont en position. Passez sur l'énergie interne. Helios, à tour de contrôle. Ces bras sont terminés. Les connecteurs sont dégagés, le vaisseau est aussi libre que l'air. Tous les systèmes en automatique. Mix, j'ai besoin d'une lecture directe. À vos ordres, mademoiselle. On atteindra la puissance maxi dans 21 secondes. Christine, écoute, tu me rends complètement dingue. Tu connais le proverbe, ceux qui parlent le plus sont les moins efficaces. Commandant! Alex, mais tu trembles comme une feuille. Lâchez-moi! Mais vous êtes gelé! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Vous avez besoin d'aide! Trouvez le médecin! On dirait que... On dirait quoi? Contrôle de Skyton à Helios. On commence la manœuvre d'éjection. Antenne complètement déployée. Helios est lancé. Je vous repasse le contrôle. Bonne chance. Le niveau de pressurisation est à 0,012. T'as une lumière sur les deux. J'en ai une sur les turbos. Je vois. Tout oui, quelle est cette urgence dont vous vouliez me parler ? Notre. Merci. Notre très belle mademoiselle Pisson me dit qu'il y a de grandes chances que l'expédition RA réussisse sa mission. Bah oui. Vous êtes également le conseiller personnel de Tigg, Claire ? Pas vraiment. Supplie de me croire. La mission ERA est notre seule chance de survie. Monsieur Haas, la société investit dans l'avenir. J'ai personnellement beaucoup investi dans l'alimentation, dans l'eau. Et aussi en vous. Tigg, je vous supplie de me croire.
Il n'y a aucun doute, la catastrophe est imminente. Quant à la mission, même si le risque encouru est gigantesque, elle peut réussir. Oh, ça m'étonnerait. J'ai fait en sorte qu'elle échoue. Je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais involontairement, Claire m'a mis la puce à l'oreille. Et je n'apprécierais guère que vous jouiez les troubles faits. Vous commettez un meurtre envers le monde entier. Je vous préviens, je ne me tairai pas. Pas question. Il reste très peu de temps. Vous êtes un criminel. Hé hey Laisse-moi. Non. Hé hey Dis. Partez pas. Non. Vous êtes un monstre. Vous le ferez un jour. Pas avoir l'air d'insister, mais vous m'avez jamais dit votre nom. C'est vrai. C'est parce que j'aime bien quand tu me dis monsieur. Ça a un côté majestueux, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis un créateur. Et mon petit nom, c'est Trace. Ça, je m'en souviens. Ouais. Bon. Mais le nom de famille, ça, je l'ai oublié. Je crois qu'il devait commencer par un R. Un truc comme... c'était pas très compliqué. Ryan. Ou Randy. Robbie, peut-être. Ou alors Robinson, ou Ryan. Non. Couchez-vous. Vous violez la loi, dégagez la route. Vous violez la loi, dégagez la route. L'obstruction à un véhicule en voie de transport est interdite par la loi. Le non-respect de la loi entraîne une déclaration de danger et une note aux agents de la sécurité DXL. Vous êtes en état d'arrestation pour acte de vandalisme envers la propriété de DXL. Hé, hey, regardez ces vieux Trémis. Hé, colonel. Qu'est-ce que vous foutez dans ce donjon? Je savais pas que vous étiez colonel. Vaisseau en provenance de Skytown est à l'heure. Très heureux de vous revoir. Commandant, c'est impossible. Ne me dites pas que ce que je viens d'apprendre est vrai. Vous ne l'avez pas encore retrouvé ? C'est exact, mais nous... Il n'y a pas de mais. J'exige qu'on parcourt ce foutu pays dans tous les sens. Je veux qu'on vienne me faire un rapport à moi personnellement et je veux que vous vous en occupiez. On vient de retrouver les restes de son avion dans le Gila Flats. On a eu des tempêtes de sable très violentes. Les chances de survie avec une chaleur pareille dans de telles conditions sont, je dirais... Comment savez-vous que c'est son avion? Il y avait une plaque sur le tableau de bord avec son nom, peut-être? Je suis désolé. Commandant, j'exige que vous... J'exige que vous ratissiez ce désert jusqu'à ce qu'on le trouve. Prenez ça et voyez ce que vous pouvez faire. Comment ça va? On essaye toujours. Commandant, c'est Borg. Qu'est-ce qui se passe? On a un énorme problème en bas. Il y a très fortes vibrations dans le système de refroidissement du moteur. Les valves sont bousillées et il y a du produit qui se répand dans la chambre de ionisation. On a essayé d'enrayer, mais c'est pas possible. Mettez Alex dessus. Elle est dessus.
Elle arrive à rien. Avarie dans le système de refroidissement. On a de sérieux ennuis ici. Il y a des fuites et des risques de radiation. Où est-ce que vous en êtes? Le produit se répand dans la chambre de ionisation, provoquant une baisse de pression. Si on n'arrête pas ce processus d'ici 10 ou 15 minutes, l'un des moteurs va exploser et ça va nous faire un véritable feu d'artifice. N'hésite pas, ce qui va se passer, je le sais très bien. Ce que je veux, c'est une solution. Et si on arrêtait les pompes du turbo? Non, il y aurait tout de suite surchauffe, le réservoir exploserait et alors... Sayonara. Fonction négative. Chambre C fermée. Procédure en cours. Préparez la combinaison, il faut que quelqu'un sorte et répare à la main. Ce quelqu'un ne restera pas en vie très longtemps. Une fois que la pression sera à niveau, le mélange du plasma et du produit provoquera une explosion. Et notre homme sera transformé en grillade. Qu'est-ce que vous suggérez, capitaine? Donnez-moi une alternative. Bien, mon commandant. Choisissez celui que vous voulez. L'équipage est prié d'évacuer le niveau B de toute urgence. Taux de radiation au niveau B trop élevé pour des humains. La limite acceptable est dépassée au niveau inférieur. Et merde, j'y vais. Pas question, on a besoin de vous ici. Quelqu'un d'autre? Lieutenant Mix. Ordres. Écoute-moi bien, vieux. Tout le monde meurt un jour. Et toutes les âmes vont quelque part. Mais je vais te dire une chose. La tienne ira droit au paradis sans passer par le purgatoire. C'est bon. C'est pas te mettre directement en face de la plaque du moteur. Fais vite. Les radiations... Merde, j'aurais aimé qu'il y ait une autre solution. Peut-être que je m'en sortirai. Ouais. Lieutenant, tenez-vous prêt pour la dépressurisation. Manœuvre de dépressurisation. Pressurisation à niveau. C'est bon pour moi. Ça va aller, mon gars. C'est bon, Mix. Les panneaux d'accès au moteur sont dégagés. Tu peux y aller directement. Taux de radiation élevé dans le secteur du... Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est rien. Mix, on a perdu le détecteur à 250 degrés. Ça va être de plus en plus dur pour toi. Attention, attention. Le taux de radiation à ce niveau est très élevé. On est avec toi, Bobby. Ça y est, je la vois. La pompe du turbo est là devant moi. C'est bien. C2, accès interdit. Continue, mon vieux, c'est bien. Thank you.
Il y a un problème, mon commandant. État du moteur critique. La valve de l'isolateur est grande ouverte. Mix, il y a une valve d'isolateur qui est bloquée en position ouverte. Je peux rien faire. Elle a été verrouillée. Quoi ? Casse-la. Paramètres dans le rouge. 165 pour le niveau C. 183 pour le niveau D. Allez, vas-y, tu y es presque. Mon vieux, continue, c'est bon. C'est dur de respirer. C'est mal au poumon. Mix, Mix, vous y êtes presque. Doucement, respirez tout doucement. Remplissez lentement vos poumons. Ma réserve d'oxygène brûle. Je peux pas continuer. Seigneur, aidez-moi. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. À l'aide, parlez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. Mais c'est pas possible, sortez de là. Fais-la là. Sortez de là. Assassin. Pas tous, hein. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi. Feu vert pour la section 2. Niveau thermique et taux de radiation décroissant. On dirait que tout est redevenu normal. Inspection sur la maintenance demandée de toute urgence dans la section d'accès. Situation d'urgence. Je suis vraiment désolé. C4 annulé dans la section machine. Situation d'urgence annulée dans la section. Mort ! Quoi ? Procédure des doubles docks annulée. Système de conteneurisation de radiation dans le tunnel d'accès au niveau B opérationnel. Très bien. Que chacun retourne à son poste. Paramètres normaux dans la section des machines. Système d'équipement restauré dans toutes les sections. Système de dispersion des radiations en marche dans la section C2. Lieutenant Jensen Tracy Mix, né à Chicago dans l'Illinois. 17 février 2021. Spécialisation, cryogénie et propulsion. Médaille d'honneur recommandée. Alex, il faut qu'on parle tous les deux. Pourquoi l'avez-vous laissé souffrir comme ça? Vous auriez dû le faire. Je n'avais pas d'autre choix. Je comprends rien à ce qui se passe. C'était un ami, il est mort. Bientôt, on le saura tous. Vous avez tort. Nous allons tous vivre. Cette mission sera une réussite et vous devez le croire. J'ai besoin d'aide. Mon général, on a contacté ses amis, ils ne savent rien. Il est parti sans permission, mais nous faisons tout... Mon petit-fils n'est pas un déserteur. Ce n'est évidemment pas ainsi que nous présenterons les choses, mon général. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'y êtes pas. La première fois qu'on m'a parlé de cette saloperie de flamme solaire, j'ai pensé le faire monter à Skyton pour être près de lui. J'ai appelé l'école pour qu'il me l'envoie. Mais lui, il m'a dit, non, non, papa n'aimerait pas ça. Il vaut mieux que je parte en douce. Je lui ai dit d'accord, tu as raison. C'est ce que moi j'aurais fait. Et il est parti. C'est mon seul petit-fils, c'est encore un gamin. Maintenant j'ai mon fils qui vole vers l'enfer à cause de cette...
maudite mission suicidaire. J'aurais pu lui ordonner de ne pas y aller. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai peut-être perdus tous les deux. Éloignez-vous un moment, vous voulez bien? Je vais vous le retrouver, je vous le promets. On a besoin de plus de lumière sur P2. Ouais, voilà, ça vient. Une bagarre a mal tourné dans un bar de Casablanca, faisant 3 morts et 12 blessés. Les autorités en ont assez de cette violence gratuite et elles ont demandé l'aide de l'armée. On voudrait 2 verres d'eau glacée. Je risque de présenter quelques dangers par la suite. D'autres groupes sont prêts à recourir à la... S'il vous plaît. Cette vague de violence... Pourrais-je avoir une tranche de citron avec? J'ai pas de citron, ça fera 2,50 en tout pour avoir compris. Attention, qui... Ça, cette fois-ci, de nombreuses familles ont traversé le pays, dévorant le peu de végétation qu'elles trouvaient sur leur passage et tuant les rares animaux rencontrés. À Tokyo, un groupe de jeunes gens a provoqué une émeute en plein centre-ville. Les dégâts matériels sont considérables et les blessés très nombreux. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, le feu menaçant plusieurs immeubles. Quant à la brigade anti-émeute, elle a eu énormément de mal à rétablir l'ordre dans la ville. Vous savez, le calme est revenu vers les 2 heures du matin. Moi, je vois les choses comme ça. La surprise de trouver leur vitrine épuisée. Cette crise du soleil a mis le monde entier à feu et à sang. Mais si la mission Helios est une réussite, et il n'y a aucun doute qu'elle le sera, à New York, incendie meurtrier provoqué sans... Eh bien, tous ces gens vont se réconcilier. Et le monde sera uni. Travis, ça va aller? Pleurez pas. Freddy nous donne le feu vert, mon commandant. Bien qu'on l'amène, alors. Retenue réduite. Il reste 2,7 degrés. À la fin du voyage, les rouleaux de suspension devraient être plus bas. 3,14 pour être précis. Spider Zone 2, prêt pour le relais au manipulateur. Restez à bâbord, donnez-moi les initiales. Vérification Spider sous contrôle. Équipement à bâbord en place. Ai-je votre permission pour monter à bord, mon commandant? Permission accordée, Freddy. Image déclenchée. 1 degré à tribord. 1 degré à tribord. Ça se présente bien. Baissez de 20% le mouvement vers l'avant. 20%. Stabilisateur d'inertie sorti en automatique. Entrée correcte. Préparez-vous à passer sur l'énergie externe. Énergie externe, 3, 2, 1, 0. 10 mètres avant l'arrimage. Réussi, fermez toutes les portes. Affirmatif. Identification code de sécurité BW900648 Hubble 4. Reconnu, échantillon voix.
Alex Nov, humain créé biogénétiquement, directeur du projet Mission Spatiale Helios. Alex Nov, reconnu. Dois-je faire défiler votre fiche en entier ? Non, Freddy, ce n'est pas nécessaire. Je trouve que nous nous ressemblons tous les deux. Tous les deux ? Non, vous faites une erreur. On ne se ressemble pas. Arrête ça, Denis. Mais vous allez y faire quoi là-bas? Kaiton. C'est là-haut que mon pote doit aller. Non, sans blague. Dans l'espace? Mais c'est bonheur. Seulement ma tire, elle a que deux places. Ouais. Merci, vieux, t'es génial. Tu étais à l'académie de Beddington, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'étais un cadet. Nécessaires strutnitiest navigantibus Helios. Helios? Pater meus. Dirigit navim. Audi diligenter. Homo quidam est indite. Destructionem operis nostri. Mais c'est de la folie. Qui voudrait faire une chose pareille? Tig. Qu'est-ce qu'il a dit? Et le môme. Et on s'en va. Désolé pour tout ça, j'ai trouvé quelqu'un pour t'emmener à Red Sand. Allez vite. On vole pas un gars qui va mourir. Je veux juste savoir qui il est pour prévenir quelqu'un qu'il connaisse. Il s'appelle Gund Gunther Haas, IXL Corporation. Hé, hey, Travis! Le gars est tendu. Il m'a dit quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé en latin. Il m'a dit qu'un gars appelé Tig, qui dirige IXL, cherche à saboter la mission de mon père. Ouais, il bloque. Et il monte. Vaya con Dios, mon pote. Vous allez où maintenant? Oh, il y a une musique par là qui me chatouille les oreilles. Je vais essayer de danser dessus pendant que je suis encore jeune. Et que les souris veulent de moi. C'est un message pour vous. On est sur une piste et ça a l'air sérieux. Une insolation. Il dort maintenant? Il est mort maintenant. Oh. C'est moi qui vous ai appelé, je savais pas quoi faire d'autre. Vous savez, il n'y a pas de docteur par quand ici. Quand l'avez-vous trouvé? On nous l'a amené du désert, il tremblait comme une feuille, le pauvre, il était plein de délire. Il a même parlé avec un jeune homme qui portait un uniforme. Vous savez ce qu'on leur donne quand ils vont dans les écoles militaires? Et que lui a-t-il dit? Ben, en fait, j'ai rien compris parce qu'il lui a parlé dans une langue que je connais pas. Le cadet, il est où? Ben ça, j'en sais rien, moi. Ce que je sais, c'est qu'il est venu ici avec ce vieil homme. Il était là il y a une seconde. Thank you.
peut vous aider, messieurs? On est à la recherche du gamin qui était avec vous. Oh. Ouais, on s'est rencontrés au bar. J'ai jamais pu retenir son nom. Peut-être que j'ai... Et peut-être que je lui ai pas demandé. Dommage. Ça m'aurait arrangé. Ça, pas de bobo? C'était quoi ce bolide à la noix? Elle est pas un peu tarée, non? J'ai failli bousiller ma bagnole, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? À nous deux, petits soldats. Je veux que tu me dises exactement tout ce que cet imbécile de As t'a raconté. Bonjour, Freddy. Bonjour, docteur Minami. Nous allons faire une rapide vérification. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Bien. Savez-vous que je n'ai eu que 10 cas de surpression durant le chargement? Ils avaient mis les rouleaux de suspension trop haut, mais je leur ai dit de réduire la largeur de la bande. Très intelligent de ta part. Oui, je trouve aussi. J'ai l'impression que personne ne comprend à quel point je suis sensible. On trouve que je me plains trop. Je les entends plaisanter à mon sujet. J'ai de bonnes oreilles. Pensez-vous qu'ils aient raison? Pensez-vous que je me plaigne trop? Non, non. Et pas du tout, Freddy. J'aimerais être officier. On me prendrait plus au sérieux. Non, tu sais, les gens te prennent très au sérieux. Mais si ça peut te faire plaisir, j'en toucherai deux mots au commandant. Il pourrait peut-être te faire aspirant. Ou mieux encore, lieutenant. Oh, ce serait merveilleux, lieutenant. Bon. Minami. Ah, bonjour. Bonjour, Freddy. Bonjour, Alex. Ma carte d'ordinateur ne fonctionne pas, je ne sais pas ce qu'elle a. Tu peux me prêter la tienne? Ah, bien sûr. Rends-la-moi dès que tu as fini. Alex, savez-vous que le docteur Minami va demander au commandant de me faire officier? C'est bien, je suis contente pour vous. Mais d'ici peu, ça n'aura plus aucune importance. Ça en a pour moi. On m'a dit que j'allais être un héros. N'est-ce pas, docteur Minami? Oui, c'est vrai. Nous serons tous les deux des héros. Lieutenant, j'ai réussi à l'intérieur. Le quartier général cherche à vous contacter. Veuillez les appeler de toute urgence. Je sais pas si c'était Beddington ou pas, mais ce que je sais, c'est que c'était un de ces uniformes vachement mignons que portent les petits gars des écoles militaires. Il vous a peut-être dit où il allait? Non, il a rien dit. Il était avec un monsieur qui était pas très jeune. Ce vieux monsieur, c'est celui qui est mort? Ah non, c'était un autre monsieur avec des cheveux blancs et son visage, c'était comme du cuir pourri. Mais qu'est-ce que vous lui voulez tous à ce gentil garçon? C'est pas pour dire, mais c'est la deuxième fois que je réponds à ce genre. C'est la deuxième question. Fois, la première, c'était quand? Eh ben, ils étaient plusieurs, une grande société, ils m'ont posé... Quelle est cette société? Je sais pas, c'est une grande compagnie. C'est un truc avec des lettres. Ce serait pas IXL par hasard? Ouais, ils ont pris son portefeuille. Recherche complète sur cet homme, tout ce que vous trouverez aussi sur ce type qui a écrit ce fameux bouquin. Tig. Tig, oui, celui qui dirige la société. Je peux m'en aller, monsieur? Oui, merci beaucoup. Ça va, mon général? Oui, oui. Vous pouvez y aller, je vous rejoins. Un scotch, s'il vous plaît, sec. Mon général, vous croyez que vous... Non, je ne devrais pas. Bah,
Caporal, faites sortir ces hommes. Je vous l'offre. Merci. Excusez-moi. J'aime bien ton béret. Pousse-toi, fiston. Allez, retire-le. Ça m'étonnerait. Merci. Ça suffit maintenant, on se calme. Qu'est-ce que vous savez sur la mission RA? J'ai pas entendu votre réponse. Vous en souvenez, hein? Richards. Travis. James. Richards. Travis James Richards. Monsieur. L'écran de contrôle indique une saturation des niveaux de flux de protons. La région 17 présente une fusion accélérée. On prendra soin de toi. Soin de toi. Aidez-moi! On vient de péter un réservoir d'oxygène. Mon commandant, on a besoin de vous ici immédiatement. J'arrive. Équipe de sécurité demandée dans le département 12. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais y a rien qui marche sur ce putain de vaisseau. Rien! On perd de la pression dans le moteur à bâbord.
quels sont les dégâts? On n'arrive pas à passer aucune valve, je n'ai utilisable. Mais t'as qu'à les faire sauter, bordel de merde, je veux une réponse! Attention à la marche. Attention. Là, vas-y. Commandant, il y a quelqu'un, sur le vaisseau qui est en train de faire du sabotage. Je crois pas que je vais m'en sortir. On va tous s'en sortir, c'est certain. Harvard, mon commandant, je voudrais... Et comment ça se présente? C'est plutôt à vous de me dire. Comment voulez-vous que moi je vous réponde? Ça se présente mal. Très mal. Dites-moi, combien de temps ça prendrait pour imprimer la liste du personnel qui a eu accès ou a altéré ou reprogrammé les systèmes dans les dernières 24 heures? Pourquoi? Je vous ai posé une question, lieutenant. Combien de temps ça prend? J'en sais rien, mais à un moment... Faites-le, commandant. C'est réparé, mais on a perdu 63% d'oxygène. C'est nettement insuffisant pour rentrer. Dans ces conditions, nous ne rentrerons pas, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous cherchez à faire échouer l'expédition Helios vers le Soleil? C'est ce que Ast a dit, hein? Je vais te dire pourquoi. Parce que la Terre ne va pas être balayée par une flamme. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'influer sur la nature. Est-ce que tu as lu Nostradamus? Il y a pas mal de choses qui doivent se passer avant. Oui, si je me souviens bien. L'une de ces choses, c'est que l'Antéchrist marchera à la surface de la planète. La différence, c'est que... il ne marche pas. Il vole au-dessus de l'enfer pour éviter de voir la souffrance dans le regard des gens. Mon père m'a dit une chose que de toute ma vie, je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mon fils, tu peux être aussi brillant, doué et aussi intelligent qu'il est possible à un homme de l'être. Mais ne laisse jamais tes ambitions devenir plus grandes que ton cœur. C'est un homme généreux. C'est vrai. Le problème, c'est que vous vous êtes arrangé pour que je le revoie plus jamais. Bien. Le salopard a stocké tout ce qui est consommable sur Terre. Viande, poisson, céréales, il ne sait plus où les mettre. Ce n'est pas interdit que je sache. Une société ou un individu a le droit d'investir dans l'avenir. L'avenir. Où est-il? Il peut être n'importe où, c'est un homme très occupé. Comment le joignez-vous? Il a un téléphone portable, mais ça ne me dit pas où il est. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez retrouver sa trace avec votre matériel? Bien sûr, mon général. Bien. Les scientifiques. Le monde est rempli d'experts et de scientifiques persuadés que Dieu parle à travers eux. J'ai appris une chose. Personne ne sait rien. Leur théorie change comme le vent. Ne me regarde pas comme ça. Tu ne pourras pas lire en moi. De l'eau, rien que de l'eau. De tous les côtés. Tuez-le. J'appellerai pour qu'on vienne me prendre. Ne te fatigue pas trop, mon petit père.
j'y vais, un froussard meurt une centaine de fois. Souviens-toi de ça, il n'y a que le résultat final qui compte. Mon grand-père disait la même chose! N'avancez pas! Je voudrais pas vous tuer. T'as pas le choix, mon vieux. Skytown, ici Helios. Vous me recevez? Skytown, ici Helios. Vous me recevez? Continue. Mike! Mike! Je dis que ça se passerait bien. Grâce à Dieu, j'ai cru que je t'avais perdu. Vous avez quelque chose? Je donnerais n'importe quoi pour que ça fonctionne, mais j'arrive à rien du tout. Je veux qu'on me fasse un rapport immédiatement sur les propulseurs. On travaille dessus. Ça devrait être plus rapide que ça. Commandant Dumont, merde, on travaille dessus, on peut pas faire mieux. Non, on s'en fiche de ça. Écoutez-moi. Il faut absolument transmettre ce message à Helios. Et tout de suite. Ici le général Kelso. Kelso, le général Kelso. Qui est à l'appareil? Evry, mon général. On essaie désespérément de passer votre message, mais en vain. On obtient de la friture, c'est tout. Ils sont trop près du soleil. Continuez tout de même. À vos ordres. Continuez. À cette vitesse-là, on risque pas de la réussir, cette mission. Borg a peut-être été blessé, mais il n'est pas à l'article de la mort. Regardez, il y a quelque chose qui apparaît. Ça doit être un code. Tout ce que j'obtiens, c'est... Dalila? Qui est-ce? En tout cas, si je la tenais, je lui ferais sa fête à cette Dalila! On a des heures de retard, si on fait rien, on peut dire adieu à la Terre. T'as qu'à sortir et pousser pendant que tu y es. Alex, puissance actuelle du moteur. Alex! On est en train de calculer. Ça va être long. J'en sais rien. Vous n'en savez rien? Mais comment voulez-vous qu'on réussisse si vous ne savez même pas ça? Ça ira. Ça ira. La météo annonce de la pluie. Les agriculteurs vont être ravis. Arrêtez, c'est un hologramme! Mon général, Tic vient juste de décoller. Si affirmatif, détruisez-le.
Ouais. Harvard ? Mon commandant ? Dites-moi, à quelle carte de sécurité appartient ce numéro ? Delta Tango 9800-17 Kilo Lima. UNSF. À celle de Ken Minami. Minami ? Ce n'est pas possible, voyons, c'est absurde. Mon commandant, on approche de l'orbite critique. Bon, Christine, appelez en bas. Je veux que Minami sorte du ERA immédiatement. Faites-le ! Mais s'il ne pilote pas le ERA, qui va s'en charger ? Je comprends rien à ce qui se passe. Faites-moi un rapport complet. On n'y arrivera jamais. Je travaille dessus, je ne peux rien faire d'autre. Eh oui, Freddy, nous serons tous les deux des héros. Tu es réveillé ? Détonation manuelle dans 6 minutes, 10 secondes. Freddy, annule la détonation manuelle. Détonation manuelle dans 6 minutes. Freddy, tu es mon ami. Arrête ça. Aidez-moi, aidez-moi. Nexus, Nexus. Dalila, Dalila, sois libre. Nexus, Dalila, Dalila. Dalila. Il est vivant ? S'il l'est encore, je ne suis pas sûr de sa poisse d'ordure de saboteur ! Fermez-la, rien n'est prouvé ! Détonation manuelle dans 5 minutes et 40 secondes. Le logiciel complètement bloqué, je répète, le logiciel complètement bloqué. Minami est mort. Il faut annuler ERA ! Non, il reste que 5 minutes, on n'a pas le temps, c'est pas possible de faire ça ! On va le désarmer, c'est la seule solution. Christine, c'est quel sort ? Oui ! Je veux Alex en bas, maintenant ! Je ne sais pas du tout où elle est, mon commandant. Fermez-la, vous autres ! Christine, trouvez-la ! À vos ordres. Détonation manuelle dans 5 minutes. Vite, mon commandant, par là. Elle est étendue là, sans connaissance. Je sais pas ce qu'elle a. Alex, écoutez-moi. Il faut vous réveiller. Freddy va exploser dans quelques instants. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah, c'est très bizarre. Son œil droit ne se dilate pas. Mais tout le reste est normal. Descendez-la dans la sonde, je veux qu'elle soit près de Freddy. Tout le monde retourne à son poste et y reste. Tout le monde retourne à son poste et y reste. Harvard, mon commandant, comment ça se passe ? Pas bien du tout. On a plusieurs systèmes revenus à la normale, mais je ne peux pas entrer. Il doit y avoir un code à la noix qui m'empêche de pénétrer. Pouvez-vous annuler le code ?
parents reverront jamais mon corps. McBride, on se ressaisit. C'est pas le moment de faire dans son froc. C'est un ordre. Détonation manuelle dans 2 minutes 45 secondes. Alex, Freddy va exploser dans 2 minutes, vous seul pouvez l'en empêcher. Réveillez-vous, nom de Dieu! Alex, secouez-vous! Harvard, ici Kelso, quelque chose de nouveau? J'ai peut-être trouvé un truc. On a une chance de pouvoir s'en sortir. Détonation manuelle dans 2 minutes 20 secondes. Système de sécurité accessible. Veuillez vérifier le code signature de sécurité avec un échantillon autorisé de voix. Ici lieutenant Harvard Gordon, Robert Clark. C'est ma voix que vous enregistrez. Détonation manuelle dans 2 minutes. Échantillon de voix non reconnu. Seigneur, aidez-nous. Saloperie de bordel. Faut que ça marche. Harvard, est-ce qu'on peut entrer de nouvelles voies? Mon commandant, on obtient la même chose à chaque fois qu'on essaye, non reconnu. Il n'y a que deux personnes sur ce vaisseau à qui Freddy peut répondre. Ken Minami et Alex Knopf. Mais ils sont HS tous les deux. Je vois pas quoi faire d'autre. Trouvez-moi des cassettes préenregistrées de la voix d'Alex ou alors de Minami. On va essayer de le piéger, cet ordinateur. Où est-ce que je vais pouvoir trouver ça, moi? Dans la biographie d'Alex, vous avez un échantillon de sa voix, vous n'avez qu'à le copier. Détonation manuelle dans 1 minute. Système de sécurité accessible. Veuillez vérifier le code signature de sécurité avec échantillon autorisé de voix. Alex Knopf, humain fécondé biogénétiquement. Date de fécondation, 1er mai 2025. Reconnu, Alex Knopf. Échantillon préenregistré. Veuillez vérifier avec échantillon de voix en direct. Détonation manuelle dans 30 secondes. Détonation manuelle dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Annule le mode détonation manuel! Alex Knopf, reconnu. Mode détonation manuel annulé. Mon commandant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été programmé manuellement pour détonner. Je le sais, mais par qui? Qui t'a reprogrammé? Alex Knopf. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ils sont entrés dans ma tête. Et c'était impossible de leur résister. Je suis désolée. Qui a fait ça? J'en sais rien du tout. C'était contre ma volonté. Mon commandant, on approche du secteur 17. Si on ne lance pas le RA avant 2 minutes, on est foutu. Mon commandant, on est tout prêt pour le lancement, il nous faut juste le nom du pilote. Est-ce que vous en avez un au moins, mon commandant? Nous avons un pilote. Dites-moi son nom. Le nom du pilote. Harvard, combien il nous reste d'oxygène? On est à 31%. De quoi faire le tiers du parcours. Bon, maintenant écoutez-moi. Vous allez fermer tous les systèmes qui ne sont pas indispensables. Et vous fixerez un rendez-vous avec le Chicago. Il vous ramènera. Bien compris.
Si ce vaisseau explose, la seule satisfaction que j'aurai, ce sera d'avoir pu démasquer la criminelle que tu es. Sors-toi de là! Ce n'est pas la bonne décision. Je ne reviendrai pas dessus. Je ne te fais plus confiance. Je ne peux pas comprendre comment j'ai pu être aveugle à ce point. Mais j'ai essayé de te le dire, c'est vrai, tu dois me croire. Pour une raison aberrante et que j'ignore, il y a quelqu'un ou quelque chose quelque part qui veut que notre mission rate. Il y a deux hommes qui sont morts à cause de toi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête? Quelqu'un m'a programmé pour ça et je n'en connais pas les raisons. Tu aurais pu tuer tout l'équipage. Et j'aurais jamais cru pouvoir éprouver une telle honte, un tel remords. Et je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ce que je ressens pour toi, Steve. Je ne pourrais pas te mentir. Je t'en prie, laisse-moi piloter le R1. Je veux que ma vie serve à quelque chose. Ce n'est pas possible. Il ne reste plus qu'une minute. C'est possible. La procédure de compte à rebours pour le lancement de R.A. a commencé. Mon commandant. Mon commandant, vous m'entendez? Équipage aux stations d'urgence. Attention, opération de maintenance dans le secteur de lancement terminée. Préparez-vous pour l'ouverture de la porte. Pardonne-moi. Secteur de lancement pressurisé. Station d'urgence. Lancement de la sonde R.A. imminent. Alex! Alex! C'est trop tard. Il faut sortir d'ici. Et merde! Faut sortir d'ici en vitesse! Levez-vous, bordel! Tous les systèmes ont été vérifiés et mis en route. Antimatière en mode actif. Déflecteur dégagé. Nous garderons le contact aussi longtemps que possible. Vous me recevez? Si vous me recevez, le... Prêt pour le départ. Puissance du champ, 20%. Température de la photosphère, 6420 degrés. La poussée inverse a été désactivée. Oui, Alex. Si seulement tu pouvais voir ce que je vois. Décrivez-le-moi. Thank you.
Elle est partie, Steve. Et elle a réussi. On rentre. Pardonne-moi.